magistrat de Bouillot à travers une organisation syndicale de magistrats qui est Koubad, que moi-même fait partie là-dedans. Et maintenant, il a été annoncé en grève et qui, aujourd'hui, qui a à peu près 2 mois là, ah ouais, c'est ça? Dans 2 mois de grève. Il m'a dit, c'est dans tout le pays du monde grève là, il participer dans le processus de démocratie, qui sont revendications sociales. Côté des mondes exprimés, décider à Kayora Goldo par rapport à la situation qu'il a traversée au même. Soit en termes de demande d'amélioration de conditions de travail, en termes de salaire, etc. Donc à ce sujet, et c'est à bon droit pour que Koumad fait grève. Mais il y a où qu'on est tout, et comme nous connaissons d'ailleurs, il n'est pas capable d'interrompre de manière systématique l'offre de services publics et justice là. Parce que concitoyens, yo en situation de détention préventive prolongée arbitraire, et que maintenant, il faut que nous adressions les problèmes à yo pour que nous soyons capables d'alléger les questions. Ça. Donc moi-même, en tant que commissaire du gouvernement, il n'y a pas de benavem, c'est des collègues, c'est des confrères, et que tu parles avec certains d'entre eux, notamment commissaire Obou, commissaire Zami, commissaire Chérir, et faire comprendre les nécessités pour nous pas notre rêve. Dans notre rêve, ce qui t'a pas allégé, situation ça, on a dit. Et que maintenant, voilà pourquoi moi j'ai fait appel à ce rêve-là, mais il n'y a pas de temps de sous ce rêve-là, et moi-même, moi j'ai décidé de commun accord avec 4 substituts, 4 autres magistrats, pour nous montrer une cellule de crise. Et parce que même en temps de guerre, il faut gagner un espace pour aménager, pour être capable de traiter des dossiers urgents. Donc c'est réuni de l'UGM, à ma droite, et à ma gauche, il y a le commissaire magistrat Baptiste, et le commissaire Osier Villevert qui n'est pas présent avec nous sur la table. Je ne sais pas trop pourquoi. Et nous gagnons le commissaire Antoine, et à qui j'avais parlé la fois dernière, et qui beaucoup certainement est prêté ses mains. Mais il gagne une lettre de transfert dans mes lits, et il a fait suivre prêter ses mains pour être capable de retrouver nous. Dans, et c'est lui de ça. Et nous voyons que gagne de l'autre magistrat qui a retrouvé nous dans la cellule-là pour être capable de travailler comme ça. Mais je m'a pas ajouté que c'est lui de crise à Montéa, il n'y a pas de mission pour les combattre grève magistrale. Je rappelle hein, que cette cellule de crise montée n'est pas gagné aucune mission pour les combattre ou pour faire échec à grève magistrale. Je rappelle que magistrats ont un droit pour faire grève, pour demander conditions améliorées, pour demander augmentation de salaire, c'est bien, et exprimer le bon lieu, mais ils connaissent même là même que aussi loin au capouché le bon lieu, ils ont capouché désidérata yo, mais pas capable non plus interrompre l'offre de services publics, justice là, parce que il y a des gens qui besoin un certificat pour y aller, il faut études à l'étranger, il faut légaliser là. Si les gens qui mourent, quand on commence à décomposer, il faut que nous balayons réquisition apparente pour aller pour funéraire pour procéder à funérailles. Si il y a un corps qui est tombé par terre, soit par balle ou par autre circonstance, mais il faut gagner un commissaire qui fait réquisition à un OPJ ou à un JDB pour être capable de lever. Donc, c'est-à-dire, pour ces raisons, nous demandons un couloir d'urgence humanitaire pour que nous soyons capables de traiter des dossiers urgents. Comme par exemple samedi là. Donc, par exemple, nous sommes capables tout en même temps, et je ne dis pas nous allons entrer d'emblée dans toute activité, mais dans des dossiers par exemple, si on vient là, et dans le tribunal là, nous sommes capables de procéder à l'application de la loi du 6 mai 1927, c'est-à-dire sous comparution immédiate. Nous jugeons mon nom immédiatement et que les capables condamnés, libérés. Maintenant, voilà de quoi il s'agit aujourd'hui par rapport à cette grève de magistrat du coup. Mais il n'a pas affaibli et grève là. Il n'a pas affaibli, mais moi-même pas gagné tête pour mission, pour projet, pour m'affaiblir grève magistrat. Seulement, nous dit qu'il faut nous aménager le couloir d'urgence humanitaire. Le commissaire, il y a quelqu'un qui est le commissaire du gouvernement qui est proche, l'autorité de l'intérieur.
Monsieur Dalé, moi reprends la question. Non, c'est pas grave, boycotter grève. Moi-même, c'est Jacques Lafontaine, je même son paquet. Et il y a 4 personnes qui avaient. Maintenant, pour 4 personnes, comment est-ce capable de traiter des dossiers urgents? Ok? Comment est-ce capable de parler de Bambou bien? Et Bambou bien, mais nous écrit avocat autour de parler. Avocat dit que vous avez un bout de souffle. Si vous avez un dossier à traiter, il faut être capable de poser une requête, vous êtes capable d'aller devant le juge, vous êtes capable d'avoir une instruction. Donc, il faut nous faire la vie retourner dans le tribunal. D'accord? Donc, maintenant, on a commencé, et puis, nous pensons que le gouvernement lui-même est capable de continuer. Non dialogue permanent avec le magistrat pour trouver une solution à la crise. D'accord. Ce dit détention préventive prolongée arbitraire. Qu'est-ce qui fait ça? Ou arbitraire, oui. Ou arbitraire, qu'est-ce qui fait ça? Je veux dire par exemple, il y a des gens qui arrêtent et puis qui ne peuvent pas passer devant le juge. Ou d'accord? La détention préventive, c'est les gens en attente de son jugement. D'accord? Mais il y a des gens qui sont en détention pour les gens qui ne peuvent pas juger tout au jour. Donc, à qualifier ça de détention arbitraire. D'accord? C'est la différence. Oui. Mais nous commençons déjà même, parce que nous avons fait appel au commissariat, au tribunal de paix, et à travers permanence paquet, et que pour nous faire des ferments des prévenus. Et que nous attendons, nous avons plainte. Et surtout plein de monde, vous voyez par exemple, qui voyait balle dans l'enveloppe. Plein de monde, vous voyez, bah, mon cash qui a volé comme sur mon cash. D'accord? Donc, nous n'avons pas misé là pour voler comme sur mon cash. Donc, plein de choses déposées pour nous poursuivre. Nous qui voulons balle dans l'enveloppe, portez bas nous, balle à toute enveloppe là pour nous capables de faire empreinte, pour nous prendre avec ça. Les arrêtés, nous ne sommes jamais capables de libérer encore. Ok, pour passer vie en prison, pour nous perpétuité, ok, devant le tribunal. Donc, c'est ça nous demander. Surtout, plein de choses nous besoin. Les gens qui veulent les gens, vacabo qui pose gros voix, ils sont éclairés, les gros voix, ils ont gros voix, ils ont besoin de parler. Et puis, ils veulent les gens 16 ans, portez vie pour nous arrêter. Au moins, les qui proposent, c'est Mister Clignoyer. Et bien, toute action, Bachal, portez-vous à nous pour des plaintes. Pour disposer. Okay? Oui. Pour disposer, vous faites. Oui, pour nous arrêter, pour nous voir devant le tribunal, droit commun. Commissaire, oui. Dernièrement, et plusieurs grévistes ont été rencontrés avec le Premier ministre, dont le ministre de Justice Tantôt. Et vous-même, qui a collaboré ensemble avec Mounsao depuis proche, qui démarche que vous-même. Non, bouge pas aller ensemble avec Yo Mizu qui a fait pour faciliter grève la lui-même lever. Oui, moi-même dis que fuck yo, tendez commissaire yo. Et puis ouais ensemble avec yo et yon son meilleure formule pour capable sortir dans crise là. Bon, moi même pas oublier que je ne suis pas le premier ministre et je ne suis pas le ministre de la justice et que c'est yon commissaire gouvernement et que job moi limité par rapport avec revendication ras-le-bol. Et désiderata, la commission va exprimer là, d'accord? Donc, pas qu'à solutionner le problème, moi-même. Parce que je ne pas virer l'argent, moi-même. D'accord? Je ne pas virer l'argent, je ne pas des signatures devant le ministre des Finances, etc. Mais même dire que Foro cherche un moyen pour rejoindre une solution à la crise. Et ce que je connais, le ministre, son monde qui est bien comme ça l'a fait. Et en ce sens, je connais PM Latou, son monde qui connaît, comprend la situation emploi et lui. Je suis certain que Goumba est capable de dégager de toute façon. Où c'est un objectif grève et magistrat? Et concernant le magistrat, on me dit que. Oui, est-ce que c'est un objectif grève? Oui, objectif grève, c'est demander augmentation de salaire par rapport au magistrat assis. Parce qu'il y a des avancées par rapport à les privilèges au gain. D'accord? Mais dans le chat, on te demande. Mais pas oublier que Paris n'a pas été construit en un jour. D'accord? Donc, moi, je pense que faut nous comprendre que Rome n'a pas été construit dans un jour. Et que maintenant. Et je pense qu'il faut comprendre que l'État ici est limité dans ses prévisions budgétaires. Sont-ils étalés par les bons moyens pour faire tout le bagage? C'est l'urgence là, on l'a là quand même. Pour combien de mois là? Et nous parlons, nous là non-stop jusqu'à ce que tout le bagage vienne à la normalité. Toucher, si greffier pas toucher. Lui-même, nous sommes besoin pour venir à la justice, pour jouer un service, pour juger, si pour condamner, pour condamner, et puis si pour libérer, pour libérer. Donc, c'est deux groupes qui sont véritablement. Pas capable d'accord. D'ailleurs, nous, c'est un antagoniste qui a organisé un mouvement devant qui a demandé pour chercher un couloir d'urgence. C'est nous qui demandons le dehors. Donc, s'il vient, donc c'est. D'ailleurs, il vient trop tard même. On greffe, nous pays qui a fonctionné. Service public pas qu'à bloquer pendant 2 mois. C'est 2 mois que la justice va fonctionner. Il n'est pas bon comme ça. Mais qui fait problème ça autour? Non, pas me mettre indivis. C'est l'innocent. Bon, nous pas qu'on est. D'ailleurs, ça est basé sur deux mandes.
moun ki lance grève yo d'abord. Faut connait en pile fois malheureusement grève yo konn politique. Yo konn pas vraiment on satisfaction mais c'est bagaille politique. Nous pas dit c'est ça ça y. Mais la grève là perdure le plus souvent c'est politique qui connait. Petit problème ou grève là te baille. Oh, grave problème. Ou imagine ou. Commission passe dans commissariat. Pourquoi c'est bagaille catastrophe. Commissariat, on y est parce que tu as recevoir 10 moun, il y a 80 moun. Ou imagine ou mettez fi même côté avec garçon dans commissariat, commissariat senti avec moun. Donc c'est pas petit problème grève ça bail. Attention. Ou vérifier ça même ou mettez fi dans cellule même côté avec garçon. Bam du petit bagay. M'a voyo à regarder. M'passe on estime de là dans mouvement d'affaire de yo. C'est moi qui t'ai dit, moi t'ai conseillé nous passer dans commissariat pour nous dans qui condition infra humaine moun yo. Écoutez. La même cellule. Là aller dans garde à vue commissariat et tribunal Delma. Sam Abdoula ou Kabal constaté lui mais comment garde à vie fait en principe je sais un petit couloir on mettait pour attendre moun mais comment on comprend nous mettait on fille ensemble avec un garçon non espace de 10h du matin pour 5h 6h du soir il pas normal nous même avocat ça on pas écoutez tout bagaille carré en clair on dit fille elle même il doit besoin changer lui OK mais on d'accord avec moi libre côté un garçon donc l'a senti lui bien mal à l'aise pour le monde pour dire porter un contexte pour moi donc l'a senti lui marrer dans ça monde dans supposé dans espace pour à l'aise pour demander toute service qui a besoin donc sans pas gêner et grève là que pose qui pose marrer ça oui m'a dit c'est grève là à 90% c'est grève là parce que dans en temps normal les déférer au monde dans tribunal ou bien arrêter au monde toujours attendre le même jour si pour regarder vous si pour déférer là déférer mais les grève là pas jamais ca recevoir prévenu de quoi d'accord avec moi commissaire lui-même n'est pas calagé mon non il passe sous contrôle encore donc il est obligé qu'il belle jusqu'à ce que la mandel et nous bien content gagne un couloir d'urgence qui crée donc nous voyons commencer à venir avec prévenu donc nous souhaiter c'est pas et couloir d'urgence seulement qui était donc dans les jours à venir grève là c'est levé lever pour tout bac on va penser couloir ça quand tout lever grève là on pas quoi parce que on pas quoi couloir d'urgence sans libre répondre à revendication commissaire parce que son revendication qui est venu avec grève là donc ça son couloir d'urgence d'ailleurs dans couloir d'urgence c'est pas tout dossier vraiment il va traiter comment et greffier et puis couloir d'urgence c'est pour commissaire greffier ou pas gagne pas bail couloir d'urgence même donc greffier toujours été en grève qui soit gagné pour celle où ça marche bien qui soit moins gagné bon c'est pas moi qui va faire le marché moi t'as seulement souhaité pour le marché bien mais c'est pas moi qui va faire le marché bien t'as souhaité le marché bien merci nous pensons mettre difficile nous ça au barreau de Petit Bois. Démarche commissaire Jacques Lafontaine, parce que moi-même, maître François Saint-Jules, tout dernier balan voilà, pour passer dans le commissariat de Port-au-Prince, barrel est grave. Il est grave. Puis ça, est grave parce que il y a une cellule qui gagne, qui est capable de prendre 3 filles ou 2 filles, une cellule sale qui a 27 femmes là-dedans. Alors, Haïti, dans le commissariat de Port-au-Prince, cellule ça, lui gagne 27 femmes là-dedans. A tel enseigne que mesdames, ça remet au chita, bon chef de poste là. Remet au chita, dans la grande salle là. Gagne tout qui a accouché. Et m'a rappelé, commissaire Jacques Lafontaine, ça. Qui ça m'a rappelé? Gagne moun qui gagne 8 mois dans le commissariat de Port-au-Prince. M'a rappelé, ministre justice, ça tout. Deux mouns qui ont 8 mois qui sont dans le commissariat de Port-au-Prince. Ça va être fait. Moun qui mérite juger devant le tribunal correctionnel, qui est jugé le plus vite que possible, ça mérite libérer, il faut qu'ils libérer. Nous pas besoin de parler le cas de commissariat Pétionville, nous pas besoin de parler tout de commissariat Delma. Donc, notre presque toute juridiction, garde à vue, yo rempli. Gagné 47 jeunes garçons. Qui empilé. Moun sou moun pile sou pile, ça traitement sali, inhumain. Et c'est celle Haïti ou abrin ça. Allô, ministre de la Justice, allô Jacques Lafontaine. Faut un petit coup de pied pendant cette belle conférence de presse. Nous avons remis Kounia la commissaire, il faut y passer. Nos commissaires à Port-au-Prince, il faut y passer tout. Nos commissaires à Pétionville, il faut y passer. Nos commissaires à Delma, pour les frères, soyo, situation, non, garde à vue. Nous sommes bien content que. C'est le juge ça qui est campé. Et c'est le juge ça. Et nous-mêmes, comme avocats, nous disposons bénévolat, gratis. Moun qui méritait assistance, nous, n'a pas eu assistance pour nous aider à telle soit que pour nous donner un petit morceau de justice. Parce que le peuple là a soifé d'un petit morceau de justice. Je dis à nous, au pays, qui depuis plus d'une trentaine d'années, des conflits politiques, conflits à tous les niveaux,
Et c'est ça qui met le pays à la situation qu'on est là. Parce que il y a qui jaloux de besoin de pouvoir, il y a qui besoin de président, il y a qui besoin de premier ministre, mais oubliez si vous avez Haïti. Vous avez seulement besoin de job pour faire l'argent, faire comme, et puis aller dans Biden, et puis oublier Haïti. Nous-mêmes, nous sommes tous haïtiens du sang, ok, nous sommes haïtiens du sol, haïtiens qui ont 105 ans dans nous, nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas quitter le pays, il faut une campagne de bataille. Pour nous capables de changer la caille, parce que la caille c'est la caille, nous partons de l'autre côté, la caille c'est la caille, Haïti c'est pour nous, c'est ton dégoumé, t'es quitté pour nous. Allez Jacques Lafontaine, merci pour cette lutte de ça, et nous t'arrêtons de mettre cette lutte de ça, il faut les dynamiques et il faut l'opérationnel. Merci, au pas besoin de ça dans la bouche de l'autre avocat ou je n'ai pas besoin de la bouche de la frangine. Merci.